Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve avec un grand plaisir, comme chaque soir, en direct sur le plateau de LCN pour la quotidienne sur LCN. Et bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain. <laughs> c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et oui, pour moi aussi, c'est un plaisir. Vous m'avez fait quelques petites infidélités là ces derniers temps. Mais <laughs> très petites et me revoici avec vous. C'est pas que vous étiez fâchée. Hein ah non, non, j'étais un petit peu souffrante. Bon. Ben enfin, j'ai avec grand plaisir d'être avec Félix Bolès. de toute façon, hein, on forme les uns et les autres euh, des couples qui fonctionnent bien. Et de toute façon, on est interchangeable, c'est à la mode hein, l'interchangeabilité. Euh, voilà, C'est une très belle équipe sur LCN. Ouais. Hein. Voilà, <laughs> tous mobilisés en tout cas pour vous offrir encore ce soir une très belle quotidienne avec, euh, bah, comme chaque soir, vous en avez l'habitude maintenant, Stéphanie, un beau programme chargé où on va beaucoup varier les genres et les styles. Oui, puisque dans cette émission, nous avons pour commencer le plaisir de recevoir le maire de Rouen, Yvon Robert. Bonsoir, Monsieur le Maire. Bonsoir. Bonsoir, bien, à bonsoir vous. Stéphanie. Ensuite, on va parler comme ça, pêle-mêle. Vous ben, voyez comme quoi, monsieur le maire, c'est très varié. On peut passer du maire de Rouen et des problématiques urbaines et de territoire à la danse africaine. Oui, mmh. puisque nous aurons le plaisir de recevoir Marius Mogiba, un professeur de danse africaine, qui nous fera une démonstration et qui nous parlera aussi de, de cette danse. Alors, je crois que nous serons sollicités Stéphanie et moi pour aller rejoindre une partie de l'équipe euh, pour prendre une leçon avec le coach, mais on vous en dispense et je crois qu'on est très sympa avec vous sur cet aspect-là. D'accord, <laughs> mais j'aime beaucoup tout ce que sont les arts africains. J'ai eu l'occasion l'autre jour de présenter un, un joueur de kora, une ouais. harpe africaine qui était de très grande qualité. Alors, dans cette émission, il sera aussi question de relooking avec Marie-Françoise Melin. Et puis euh, on terminera, euh, Stéphanie, en parlant cinéma aussi. Voilà, hein puisque c'est mercredi, aujourd'hui c'est la journée de, des sorties cinéma, donc on parlera cinéma, on parlera aussi magie avec Draco, et il y aura aussi notre caricaturiste Johnny. Voilà, le programme vous a été euh, compté, on commence maintenant la quotidienne tout de suite. C'est donc Stéphanie avec euh, Yvon Robert, monsieur le maire de Rouen, que nous avons le plaisir de commencer cette quotidienne ce soir. Alors, Yvon Robert, vous êtes le maire de Rouen, vous êtes candidat à votre propre succession pour les élections de mars prochain, les élections municipales. Alors, en ce début d'année 2014, il y a de nombreux points qui intéressent les Rouennais, comme par exemple, pour commencer, la pollution de l'air. D'ailleurs, le gouvernement va dans quelques semaines légiférer sur ce thème, sur les pics de pollution à l'ozone, aux particules fines et aux oxydes d'azote. Alors, est-ce que vous êtes favorable? À à cette loi et est-ce que vous envisagez d'appliquer cette mesure à la ville de Rouen de circulation alternée C'est une hypothèse. Je voudrais d'abord dire que la pollution sur la ville de Rouen et sur l'agglomération de Rouen a beaucoup baissé hein, toutes ces dernières décennies et notamment toute la pollution industrielle. Le sujet majeur qui reste, c'est la circulation automobile et c'est clair qu'il est indispensable d'avoir une ville où il y a moins de circulation automobile. Moi, je ne veux pas opposer... La ville, la circulation automobile et les autres modes de déplacement, mais lorsque l'on peut, et à chaque fois que c'est possible, contribuer à diminuer cette circulation est positive. Alors maintenant, est-ce que si, si c'est la loi, ça s'applique, bien entendu Maintenant, il va falloir en déterminer les modalités qui ne sont pas encore connues. La, la problématique, d'ailleurs, de la circulation des véhicules au regard de l'économie, c'est complexe, vous le savez bien, parce que les gens qui font des études sur notamment le petit commerce disent bien qu'il y a un rapport étroit entre la présence de véhicules et le bien-être du petit commerce. On peut dire ça Non, c'est euh, excessif de dire cela. Ce qui est important pour l'ensemble de la vie commerciale, c'est qu'il y ait de la, des gens qui viennent c'est qu'il y, 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 qu y ait des déplacements. C'est qu'il y ait des déplacements. Et on a bien vu à euh, l'occasion de Noël, au mois de décembre, là, les trois week-ends où tout est ouvert, de, de, parce que c'est le mois de fête, c'est un mois où on fait des cadeaux, où tout est ouvert et où nous avions mis une offre de transport en commun supplémentaire, on a eu un accroissement de 28% par rapport à l'année 2011, qui est, montre bien que les gens avaient aussi envie de venir. Même sans leur voiture. Ce qui est important, c'est d'abord d'avoir envie de venir, c'est l'attractivité de la ville, c'est que les gens aient plaisir à venir à Rouen. Alors, pour relancer le commerce, vous faites une proposition d'expérimentation du quart d'heure de parking gratuit dans euh, certaines rues commerçantes de Rouen. Alors, quand est-ce que vous allez mettre en place ben, cette expérimentation J'ai l'occasion toutes ces années. Et... Ou encore dans la période actuelle, d'avoir beaucoup d'échanges avec les commerçants. Et entendu beaucoup une idée qui est dans certaines rues, hein, ce n'est pas, pas général, ce n'est pas partout, dans certaines rues, il y a du commerce qui fonctionne avec de l'arrêt rapide de quelques instants. Et donc il y a une demande des commerçants d'avoir des espaces de certains commerçants dans certaines rues, et qu'on est en train ensemble de déterminer, de déterminer 5, 6, 7 places. Où les voitures pourraient s'arrêter quelques instants. Mais euh, il ne faut pas que ça soit prétexte à certains de rester beaucoup plus longtemps. Mon objectif, c'est c'est l'arrêt minute et donc je... comme dans les aéroports ou dans les gares, les desserts rapides. oui, c'est hein, ce principe là l'idée c'est d'avoir un, un, un rodateur qui délivrerait un ticket d'un quart d'heure gratuit et rien qu'un ticket d'un quart d'heure gratuit de telle façon que on puisse à la fois le surveiller et qu'il n'y ait pas des personnes qui l'utilisent pour beaucoup plus longtemps donc j'ai eu une réunion ce matin d'ailleurs avec une, une quinzaine de commerçants dans le quartier de la Croix de Pierre qui a été extrêmement intéressante et on a Beaucoup échangé autour de cette idée ça, et je commence à avoir ça, ça des, des, des de, idées très précises. Ça fait partie des, des réunions de conciliation, si je puis dire, d'écoute. Vous êtes déjà resté suite à ce que. Si vous voulez, de, de, depuis oui. que je suis maire, même oui. depuis tout ce mandat et depuis que je suis élu, c'est par centaines que j'ai fait des, des réunions je, je publiques. J'entends bien, mais il y avait quand même. Et donc, euh, bah, j'ai eu l'occasion, on en a fait beaucoup l'année dernière, j'en ai refait cette année, puisqu'il y, y a du souci, il y a des inquiétudes. La vie économique n'est pas facile. Le commerce est en pleine mutation, notamment à cause, à cause d'Internet. Et donc, les commerçants s'interrogent comment évoluer. Et bien entendu, la ville est, les accompagne dans cette évolution du commerce. Et vous cherchez des réponses effectivement pour. Et satisfaire on cherche des, des réponses euh, complémentaires. Et, voilà. et ce mécontentement qui tout ce qu'on a mis en place. Mécontentement qui est plus de l'inquiétude et ouais. de l'angoisse par rapport à une situation économique générale qui reste une situation économique avec une croissance très très faible hein, actuellement. — Alors j'aimerais aborder un autre point. En janvier 2015, la métropole va se substituer à la Créa. Alors qu'est-ce que c'est que cette entité Et quelles sont ses compétences à cette métropole ?— ben, C'est une, une transformation. Hein, donc c'est pas... J'ai entendu, je le précise. Ce n'est pas une institution nouvelle et supplémentaire. C'est l'agglomération actuelle qui se transforme avec de nouvelles compétences. Alors... Une, une compétence importante, euh, et qui est là, celle qui va avoir le plus de conséquences, notamment financières pour nous, c'est que la voirie, la voirie qui est aujourd'hui pour l'essentiel à la charge de la ville, va devenir une voirie à la charge de l'ensemble de l'agglomération. Et comme vous le savez, la voirie de Rouen elle est très utilisée par les voitures, les camions, les autobus, bien au-delà de ce que représente la population de Rouen et le fait que en quelque sorte le financement de la voirie ronnaise de l'entretien de la voirie ronnaise soit assuré à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération est un élément très positif. Ça sera le cas aussi monsieur le maire pour les autres communes qui oui, com qui composent l'ensemble, et pas uniquement que, la Rouen, oui. bien oui. entendu sauf que la voirie de Rouen est plus sollicitée. Je veux dire, là, il suffit de voir la, la circulation. Dire, il y a ceux qui viennent travailler, il y a ceux qui traversent, il y a ceux qui viennent pour le tourisme, il y a ceux qui viennent pour les courses, il y a ceux qui euh, utilisent le, la voirie pour, pour leur plaisir. Enfin, je veux dire, il y a les camions de livraison et tout cela est caractéristique de la ville-centre et n'est pas comparable dans les autres communes. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet ensuite dans les, les dimensions de prospective, de préparation de l'avenir, notamment en matière de vision de l'urbanisme. Pendant ces décennies, les dernières décennies, et ça a un peu diminué, mais ça continue à être un problème. On a beaucoup construit loin de, plus ou moins loin de Rouen. Or aujourd'hui, la ville durable, la ville écologique, la ville de l'avenir, c'est que on est, on utilise davantage tous les terrains qui sont encore libres de Rouen. C'est ce que je fais depuis depuis six ans maintenant, et ce qu'on fait dans le quartier où nous sommes avec ces studios qui est en pleine en pleine transformation, qui va permettre un, un millier de logements supplémentaires. On est avec Théor on est à 5 minutes, 10 minutes, entre 5 et 10 minutes du centre-ville. C'est là qu'il faut construire. Et donc, ça, la, la métropole aura le pouvoir de dire où il faut construire et, bien entendu, avec ce souci de préparer l'avenir. C'est ce qu'on appelle la lutte contre le mitage. C'est ce qu'on appelle ah, la ça. lutte contre le, le mitage urbain, mmh. le, le développement anarchique. Voilà. Euh, il faut qu'on soit sur des endroits où ça correspond à un bon fonctionnement de l'agglomération. Donc, Alors, la, la métropole, essentiel oui. de soi Cette entité, alors, elle aura quel nom Rouen Métropole, Créa Métropole bah, Écoutez, ça, c'est à l'ensemble des élus de le définir. Ce qui est sûr, c'est qu'il est important que le nom de Rouen apparaisse dans son sigle, sous une forme ou sous une autre. Mais il y a une idée aussi importante, c'est de, pour nous, c'est la métropole de Rouen, c'est la métropole de Normandie. Hein, c'est l'unique métropole en Normandie. Il y a 14 métropoles en France, hein, 12, automati enfin, 12 automatiques plus 2, Montpellier et Brest qui sont peut-être, et puis bien sûr la métropole de Paris. Euh, quand on regarde la carte, on voit bien que sur le nord-ouest, c'est Rouen qui est la métropole fondamentale. Et rappelons-le d'ailleurs pour notre fierté d'appartenance, pour euh, ceux d'entre vous qui nous regardent et qui habitent justement la ville de Rouen, euh, ça placerait euh, Rouen au rang de la huitième place. Hein. Oui, la 8e et, place... et de ce point de vue-là, c'est très important à l'échelle du développement, ouais. à l'échelle du territoire pour pour bien connaître. Aujourd'hui, on est dans un univers où il faut rayonner, il faut être attractif. C'est important pour le territoire concerné, mais c'est important aussi que le développement d'ensemble de la France s'appuie sur cette quinzaine de territoires qui euh, ont j'allais dire la force en quelque sorte de se développer et de d'apporter de l'emploi. Le sujet majeur dans ce domaine, et on le fait notamment avec le tourisme en matière d'attractivité, le sujet reste toujours l'emploi. C'est la préoccupation première des Français. Ça doit être notre préoccupation à tous, mais avec toutes les modalités, et notamment dans une ville comme celle-ci. Euh, le développement, la construction, le tourisme, tout ça sont créateurs d'emplois. Les télévisions aussi, comme une télévision locale, rencontre aussi de l'attractivité d'un territoire. Qu'est-ce que vous Mais pensez justement d'une chaîne privée comme LCN Est-ce que vous êtes favorable à une multitude de l'offre télévisuelle Je ne sais pas si il faut une multitude de l'offre télévisuelle. Aujourd'hui, il y a bien, il y a plusieurs centaines de chaînes. Donc, en tout cas, une télévision qui reflète qui la qui proximité. Une, une chaîne du territoire et qui soit sur les problèmes du territoire, sur ce qui se passe dans le territoire. Vous parlez tout à l'heure, vous recevez des, des musiciens africains. C'est extrêmement intéressant de parler ainsi, de montrer ce qui se passe en matière de culture. La pluralité culturelle, oui. Voilà et c'est très riche. Euh, le temps tourne, le temps tourne vite. Exactement. En mars 2014, <laughs> les Rouennais vont choisir leur maire. Alors à Rouen, à droite comme à gauche, la division est sensible. À gauche, les Verts, on le sait, ils présentent leur propre liste. Est-ce que vous, avec le Parti Socialiste, vous allez proposer un ralliement avec le Parti communiste avant le premier mais tour. Nous avons dirigé la ville depuis six ans, je veux dire avec une majorité qui a eu certes des soucis, mais qui est restée unie en tant que majorité sur les six ans et qui n'a pas cessé de travailler ensemble. Et même les Verts qui, à un moment donné, ont quitté l'exécutif, je les rencontre toutes les semaines et on travaille ensemble toutes les semaines. Ils ont choisi d'avoir une liste autonome au premier tour. Je respecte parfaitement leurs décisions et nous préparons d'ores et déjà, et déjà depuis plusieurs mois, nous préparons la, la liste et le, les éléments du premier tour et nous savons que nos propositions et nos programmes sont compatibles. Les Verts souhaitent simplement se compter, comme on dit, connaître, connaître leur influence. Et le un ralliement avec le Parti Alors, communiste Alors, avec le Parti communiste, nous avons toujours travaillé aussi ensemble et ça, ça fait une longue histoire. Les, les, ils ont... Bon, ils, ils ont beaucoup hésité dans la période. Ils ont, au mois de décembre, ils ont fait un premier choix qui aurait été plutôt vers une liste autonome. Ils s'interrogent toujours. Et on a continué. On a continué à travailler avec eux. Moi, s'ils si souhaitent venir avec moi, je le souhaite. Et ça sera très bien. Si c'est au deuxième tour, ça sera au deuxième tour. Et ça sera très bien aussi. C'est-à-dire que je suis pour l'unité... De toute façon, dans le respect des, de la diversité, pour moi, ce n'est pas de la division, c'est des nuances dans la manière d'aborder le réel, mais sur la vie locale, nous travaillons dans d'excellentes conditions, et donc, euh, s'ils si le souhaitent, je les accueille bien volontiers. Il faut simplement que ça se fasse dans les tout prochains jours alors quand euh, sera euh, proposé votre programme et quand donnerez-vous votre liste définitive pour ces élections ben, le, municipales euh, le programme c'est ben, écoutez c'est cette semaine c'est euh, fait une, une présentation à la presse euh, vendredi et puis à partir de vendredi le document un petit document de 64 pages nous allons commencer à le à le boiter dans, tout le, dans tous les domiciles des Rouennais. C'est un travail militant. C'est les membres de tous ceux qui nous accompagnent du Parti Socialiste qui, qui vont aller le mettre dans toutes les boîtes des Rouennais et euh, à la fois dans les boîtes aux lettres, et puis toute une série de rencontres de porte à porte, de rencontres sur le terrain et puis de réunions publiques. À partir du 3 février, je fais 18 réunions publiques à 6h30 dans tous les quartiers de la ville où je pourrais. L'expliquer, le, le proposer. La liste, liste c'est fin janvier. Nous aurons l'occasion avec Valérie Fourneyron, qui bien entendu est présente sur cette liste et complètement partie prenante de cette vie rouennaise qu'elle n'abandonne pas, même si elle est avec des missions nationales importantes actuellement. Elle continue à, tout ce qui, à suivre la vie rouennaise et à influer à chaque fois que c'est nécessaire sur des grands dossiers qui compte pour les Rouennais, le dernier sur lequel s'est beaucoup impliqué, qui a beaucoup avancé, c'est la construction de, nouvelles, de nouveaux équipements au CHU, euh, qui est un lieu d'excellence sur le plan de la recherche, que sur le plan médical, et qui est extrêmement important pour tous les Rouennais. Mais merci à vous, Yvan Merci Robert. beaucoup, Yvon Robert. Merci, okay. monsieur le maire de Rouen, euh, d'être de... venu sur le plateau de la quotidienne. Merci de, <laughs> cette, de ces moments passés ensemble. Et puis, à très bientôt. Voilà, on voilà, va vous, vous étiez donc, Yvon oui. Robert, notre premier invité politique de l'année sur la quotidienne sur LCN. Nous recevrons mardi 21 janvier prochain dans la quotidienne Jean-François Bure, le candidat UMP aux élections municipales à Rouen. La quotidienne, quant à elle, continue jusqu'à 19h, 19h15, avec des sujets très variés, avec de la danse africaine, avec du relooking, avec de la magie, avec Draco. Ça sera pour tout à l'heure. Restez bien avec nous. Pour l'instant, c'est un peu de publicité. Et puis, on retrouve le point actuel, le point info du jour avec Stéphanie Ju.